Oui, c'est vous qui m'avez reçu, Mourad. C'est vous qui m'avez reçu hier. Et je voulais vous dire que j'ai vu un film de Souleymane, qui est un film sud-africain produit par l'Algérie et qui est un film qui montre comment les mouvements de libération africains ont été très aidés par l'Algérie. Tout à fait. Mandela était l'un de ceux-là. Absolument. Il a été formé ici. On lui a donné son passeport ici. Et voilà, on l'a aidé. Mais c'était aussi le temps où l'Algérie se considérait comme responsable. Et donc recevez tous ceux qui voulaient se battre pour libérer l'Afrique et leur donner des faux passeports, mais pas de faux billets de banque, mais de vrais billets de banque, parce qu'il fallait leur donner un peu d'argent. Mais tous les papiers pour faciliter leur lutte, et je leur ai donné des armes aussi. Un peu l'Afrique, je m'excuse de le dire, c'est pas par fanfaronnade, mais l'Algérie a été un vrai pourvoyeur pour tous ceux qui voulaient se battre en Afrique, un peu partout. Et l'Algérie a été, disons, le coup d'envoi. Pour libérer l'Afrique, il faut tout coloniser en Afrique. Tout. Rester colonisé, et en plus de ce que dit Monsieur le Président, les plus jeunes recevaient des bourses d'études, ouais, et fréquentaient la seule université que nous y avait à l'époque. Et peut-être à préciser, c'est que le lieu choisi par Monsieur le Président pour assurer la formation militaire est une caserne construite dans les années 1830 par les Français pour lutter contre les Abdelkader. Une caserne entourée d'un fossé profond de 7 mètres profond et de large. Ouvrée de l'eau pour tout autour de cette caserne. Elle existe aujourd'hui encore. Si un jour vous l'occasion se présente, Je vous montrerai moi-même. Oh, c'est, ça me fait plaisir. Ouais. La France, malheureusement, lorsque nos amis ont signé le traité de paix, les accords de Lyon, ils ont permis à De Gaulle, qui lui voulait absolument avoir sa bombe. Et voulait faire les essais chez nous, évidemment. Quand j'ai pris le pouvoir, je me suis renseigné sur le sujet. Et j'ai senti toute la dangerosité de ce des essais nucléaires. Décret nucléaire qui avait été accepté par les nôtres, tout là, lorsqu'ils ont signé avec la France. Les accords des biens. Les accords des biens. Bon, alors moi j'ai vu que là, c'est vrai, nos frères qui ont négocié n'avaient pas tous les éléments, tout là, que moi je possédais, tout là. Et donc, dans mon fort intérieur, je voulais aussi secouer, je dois dire. J'avais l'occasion là, parce que je voyais, ils ont signé dans des conditions très difficiles. Ils ont signé des choses qui étaient impensables, c'est-à-dire des essais nucléaires, même dans le sud. Et ils n'avaient pas les éléments que j'ai eus par la suite. Après, lorsque je me suis bien renseigné, j'ai constaté que pendant 1000 ans, il y a des gens qui vont mourir chez nous. Les rayons sont là-bas, aujourd'hui encore, ils sont meurtris. Et donc,
j'ai refusé dans mon fort intérieur cette attaque. Et donc. Parce qu'en fait, excusez-moi de vous interrompre, on dit que De Gaulle était prêt à perdre l'Algérie, mais pas la possibilité de faire les essais nucléaires en Algérie, parce qu'il voulait que la France devienne une puissance nucléaire. Voilà, il voulait faire ses expériences chez nous, pas dans le sud de la France. Et d'horribles expériences. Moi, ça m'a donné, je vous dis sincèrement, l'occasion aussi de fonder la souveraineté de l'Algérie sur cette terre. Voilà. Nos frères avaient signé comme ça un traité qui était terrible pour l'Algérie, parce qu'il nous laissait quelque chose qui allait devenir... Parce que les rayons, malheureusement, atomiques, les radiations atomiques, ça ne part pas comme ça, ça peut rester des siècles, vous savez. Donc des gens peuvent mourir. Et ce qui s'est passé chez nous, ils meurent encore. On a encore des gens qui meurent. Ça. Moi, ça me donnait surtout l'occasion de régler un problème impérialiste. C'était de régler le problème, d'imposer une souveraineté de l'Algérie sur les terres, sur les hommes, sur etc. C'est surtout ça. Alors, quand vous décidez les biens vacants, il y a aussi la terre, il n'y a pas que les richesses nationales, le pétrole, ce qui est dans le désert, la question du nucléaire. Il y a aussi la terre travaillée. Les terres travaillées par les colons qui sont laissées, les entreprises laissées par les colons, et qui va les diriger, qui va les gérer. À ce moment-là, il y a la grande expérience de l'autogestion. Oui. La première question que je voulais vous poser concernant les décrets sur les biens vacants, c'est est-ce que vous vous souvenez pourquoi on a demandé à Yves Mathieu, mon père, de travailler à rédiger ces décrets. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi on a fait le choix de lui? Vous ne vous souvenez pas pourquoi on a fait le choix de lui? Parce qu'il y avait de très bons juristes algériens. Il y avait de très bons juristes... Qui n'étaient pas socialistes. Qui n'étaient pas socialistes. Qui n'étaient pas socialistes. Qui n'étaient pas socialistes, tout à fait. D'accord. Par le socialisme. Convaincu. D'accord. Alors que moi, j'étais conquis par... Ça, c'est ça la réponse. Je voulais des terres, mais des terres pas pour des colons algériens. Pas pour des colons algériens qui ramassent, qui enfin, remplaceraient les colons français. Qui, pour moi, c'est la même chose, sincèrement. Ces terres-là, il me fallait que je les donne pas à n'importe quel Algérien. Aux Algériens qui n'avaient pas, etc. Et aux Algériens qui savaient aussi cultiver des terres. Voilà. C'est ça. Et qui avait la patience et le courage de cultiver ces terres-là, et aussi de créer d'autres terres. Puisque l'Algérie, elle fait 5 fois, je crois, la France. On m'a dit oui. Alors, quand j'étais petite, elle va à l'école à Alger, on m'apprenait avec l'Atlas, ça fait 7 fois la France. Oui. Ça me semblait énorme. Oui. Et je répétais ça, évidemment, parce que c'était la leçon. Surtout, je vais vous dire quelque chose dont on ne soupçonnait pas très très bien. On avait le plus grand désert du monde. Mais voilà. Or, les déserts du monde, il n'y a que 2 choses qui viennent dans le désert du monde. Il y avait le pétrole et les prophètes aussi. Ils ne viennent pas à Paris, à Alger. Ou voilà. Mohammed, Jésus et Moïse. Il vient de la presqu'île arabique, si vous voyez la presqu'île arabique, du sud du Yémen jusqu'à Jérusalem, c'est un désert. Et c'est là, mais c'est un désert créateur, parce qu'il a produit Mohammed, Jésus et Moïse, il vient de là. C'est ça la géographie. Les Français après, bien sûr, ils ont voulu le Liban parce qu'il y avait une certaine, etc., la langue française. Mais la vraie histoire, c'est l'histoire profonde, vous savez.
C'est vrai que les prophètes des trois religions du livre viennent de là. Pourquoi, pourquoi ni Mohammed, ni Moussa, ni Moïse ne sont venus à New York? Ou à Las Vegas? C'est une question que je ne m'étais jamais posée. J'ai dit un jour, justement, quelque chose. Il y a un seul désert qui a été pris par... qui a échappé à cette logique-là, c'est le sud. C'est le sud... un désert qui ressemble à un autre désert, qui ressemble. C'est celui du sud des États-Unis, je veux dire. Le désert du Mexique, avant le Mexique. Non, le sud, c'est celui où ils ont créé la capitale, Las Vegas, mais c'est la capitale du vice. Ah, oui. Au lieu que ce soit un capital, au lieu que ce soit un capital qui apporte quelque chose pour le bien de l'humanité, pour la libération des hommes, etc. Non, Las Vegas, c'est la capitale, c'est le seul désert où ce n'est pas des prophètes qui sont venus. Non, mais des machines à sous. Ouais, et des casinos. Des machines à sous, ouais. Des mariages pour 3 jours. Oui, des mariages pour 3 jours. Non, je connais ce problème parce que je m'en suis occupé. C'est vrai? Oui. Oui, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous voulez. Et donc, voilà, je pense que c'est, le bon Dieu nous a donné quelque chose d'inouï, nous a donné les déserts. Voilà. Parce que c'est là que viennent les meilleurs des hommes. Qu'est-ce que vous voulez. C'est là que les gens voient beaucoup plus clair comment est constitué le monde et comment ce monde doit être. Le désert, c'est ce qu'il y a de propre dans le monde, voilà, pour moi. C'est les plus purs hommes sont venus de là. Et aujourd'hui encore, c'est vrai chez nous, c'est vrai. On a le plus grand désert du monde. Et c'est là que nous avons les meilleurs Algériens. Les meilleurs Algériens sont dans le désert. Ils viennent de là. Oui. Ils viennent de là. Ils viennent de là. L'Algérie n'a pas personnellement. Oh, je suis musulman. Je suis pas musulman. Je suis musulman ma façon. Hein, ma façon. Je pense d'ailleurs que même avec des juifs, j'ai une parenté. Voyez-vous, ils sont moi, non, sincèrement, parce que. Ils sont les fils de Moïse. Et de Sem. Nous sommes des Sémites. Voilà, des Sémites, etc. D'un grand personnage. Moïse, Moussa, fils de Moussa. Nous avons un avantage, nous musulmans, je m'excuse de dire. Nous croyons aux trois prophètes. Alors que les autres ne croient pas à Mohammed. Mais moi, je crois aussi bien à mon Moïse en Sidna Mohammed. Je dirais même plus, avec les Juifs, nous avons la même langue. Oui. Les Juifs, nous avons les mêmes principes de langue avec les Juifs. Nous avons la même langue. Cette idée de juif, sale juif, etc. Quand un musulman dit sale juif, il se salit lui-même. S'insulte. Voilà. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'antisémitisme ici, là, ces jours. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens contre les juifs d'une façon pas raisonnée. Est-ce qu'il n'y a pas confusion entre sionisme et sémitisme, justement? Non, justement, c'est ce que j'espérais, mais je n'ai pas trouvé. Souvent aussi par des gens qui sont fermés, c'est-à-dire qui ne sont pas ouverts, qui n'ont pas une vraie culture. Oui. Qui ne connaissent pas bien, même leur religion, ne la connaissent pas bien. C'est-à-dire c'est un peu le juif est responsable. L'autre jour, il y avait un jeune homme qui me disait « Les juifs n'ont rien apporté au monde. » Alors je disais « Écoute, quand même, il y a quelques prix Nobel, il y a quelques génies. » Sauf Sidna Moussa. Hein. C'est aussi valable que Sidna Mohammed. Hein. Alors voilà. Non, moi, c'est des pauvres types. C'est des pauvres types qui sont... C'est l'ignorance qui produit l'ignorance. Moi, je ne vois pas de différence entre un juif et moi, je vous dis franchement. Je ne vois pas de différence. Bon, malgré Israël, cette histoire d'Israël qui vient. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que doctrinalement, c'est le même que Mohammed.
Mohamed n'est pas il porte en lui tout ce qu'on dit à Moussa. Et l'histoire est là. Je m'excuse de dire ça. Les trois, nous avons un honneur extraordinaire. Les trois grands de chaque pays, de chaque religion, Sidna Mohamed, Sidna Isa, Jésus-Christ et Moussa, ils sont du même territoire. C'est la presqu'île arabique qui monte du Yémen jusqu'à Jérusalem. Ça, c'est la presqu'île arabique. Ils viennent tous les trois de là. Pourquoi d'autres terres n'ont pas produit un seul qui soit aussi grand? Non, mais l'islam découle des l'islam embrase les autres religions du livre. Non, pas rien que l'islam, aussi les juifs et les chrétiens. Jésus est de là-bas. Et Moïse est de là-bas. Il est de cette presqu'île arabique, dans tout là. Et si vous allez du côté du Yémen, on dit qu'il y avait des centaines de prophètes qui ont été reconnus durant leur histoire. Ce sont des terres productrices d'une dimension que les autres n'ont jamais inventée. Et au Yémen, il reste des vestiges de temples. D'ailleurs, il faut faire des recherches, approfondir les recherches au Yémen, qui a été un très très grand centre de rayonnement spirituel. Oui, on dit qu'ils ont eu 100 ou 120 prophètes. Et pour revenir, mais il y en a trois qui sont particuliers. Et le Coran parle des trois. Hein. Le Coran parle des trois et recommande de vénérer des trois. Oui. Nous avons trouvé des imbéciles qui ont fait une lecture agda superficielle de la folie du Coran. Le Coran, Femtullah, il indique que les Yadak, Wasluh, tel. Que l'Arabie saoudite, Femtullah, c'est de là que sont montées toutes avec. Et quand tu vois la géographie, ça comprend le Liban, ça comprend tout ce corps-là. C'est un ensemble homogène. Et l'Algérie d'aujourd'hui, comment vous la ressentez l'Algérie d'aujourd'hui qui est devenue très pieuse? Très pieuse. L'Algérie d'aujourd'hui, je ne veux pas trop. Est-ce que tu as circulé dans les rues d'Alger? Oui, bien sûr. Tu as circulé, oui, tu n'as rien remarqué? Ah ben, je remarquais que les filles sont toutes voilées. Il y a autre chose. Le hijab, qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les rues qu'il y a 24 ans. Oui. Qu'il y a beaucoup plus de piété. On sent que l'islam s'est renforcé dans la vie quotidienne des gens. À part tout cela, mais il y a quelque chose d'unique dans le monde en Algérie. C'est l'absence de cireurs. Il n'y a pas de cireur en Algérie. Tu peux sillonner toute l'Algérie, tu ne trouveras pas un seul cireur. C'est moi qui ai interdit. Parce que je recevais des lettres inouïes, 5000 lettres. Je ne pouvais pas tout lire, j'avais donné des... Mais voilà. Et tous me disent, Ahmed, comment se fait-il que tu acceptes qu'un gosse se mette à genoux devant un homme pour cirer ça? Et ça m'a frappé. Ça m'a vraiment touché au fond de... D'ailleurs, après, ça a été pour les mendiants. L'Algérie aussi, il n'y avait pas un seul mendiant au monde. À cette époque, il n'existait pas un seul mendiant. Ouais. Je me souviens de ça. Mais le cireur, c'est le gosse à genoux. Devant un gros monsieur comme ça, etc., qui est assis. Monsieur le Président a fait une intervention à la télévision où il disait textuellement « maudit ». Soit l'Algérien, que la malédiction de Dieu frappe, touche un homme qui accepte qu'un gauche se mette à genoux devant lui pour lui serrer les souliers. Et ça, le peuple a pris ça. Et jusqu'à aujourd'hui, pourtant, la misère des fois, etc. Il n'y a pas un seul tireur. Et toutes les boîtes de tireurs ont été brûlées. Pourquoi? Parce que les Algériens, ils ont... Peut-être trop d'orgueil, mais ils peuvent être touchés dans leur fond intérieur pour certaines choses. Quand j'ai dit la notre loi, que la malédiction,
soit sur un homme qui accepte qu'un gosse, au lieu d'être à l'école, il se met à genoux devant lui. Il visserait ses chaussures. Eh bien, allez, il n'y a pas un sireur. Il n'y a pas un sireur. Il n'y aura jamais un sireur. Je me souviens de ce moment-là. Est-ce qu'il y a deux Je me souviens de ce moment-là, enfant, oui, oui, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants orphelins de guerre. Oui, et... énormément, chiffre énorme, énorme. Énorme de petits gosses. Et vous savez, tellement, elle n'a touché que des gosses, des gens. Parce qu'il n'y avait plus de place à l'école. Il n'y avait plus de place à l'école. Oui. Eh bien, ils ont acheté des boîtes, ils ont dit à leur gosse, va, va. Ils savaient que dès l'instant où il se met à genoux, il y a un policier qui vient, qui lui dit qu'il vient et qui l'envoie dans une école. Alors, les parents achetaient... Et le président les a appelés les enfants du peuple. Oui. Et quelque chose d'admirable, Viviane. Oui. J'ai interdit qu'on parle de sireur. On les appelait les enfants du peuple. Parce que le mot fait mal. C'est le sireur. Ça fait mal. Ça, fait, c'est ça vilain. Touche à la dignité. On les a plus appelés les sireurs. C'est le fils du peuple. Et il n'y en a pas un seul. Et, oui, et à son retour, alors deux remarques. L'inexistence de ces sireurs n'est la conséquence ni d'une loi, ni d'un décret, ni d'un quelconque texte administratif. Il a suffi que le président, parce que là, réellement, réellement, il incarnait la volonté populaire. Il incarnait ce à quoi aspirait le peuple. Il répondait au désir profond du peuple. Et à ce jour, cette mesure est intervenue. Et autre chose, Monsieur le Président a vécu, bien sûr, des moments d'intense émotion, en particulier à son retour en Algérie en 90, lorsque des gens sont venus le voir et au creux de l'oreille, lui ont dit, voilà, je suis ingénieur, je suis médecin, je suis ceci, mais je suis un enfant du peuple. Mais je suis un enfant du peuple. Ahmed, je suis un fils du peuple. Adulte ? Oui. Qui était devenu adulte ? Oui, après. Ils sont allés à l'école. Oui, parce qu'on ne les disait pas les sireurs. Oui, il y en a qui sont venus me le dire. Ahmed, je suis un ancien fils du peuple. Et alors, comment ça s'est décroché. Oui, oui, ça s'est décroché. Oui. J'ai un problème avec le son depuis le début. Je suis sur un son caméra. Excusez-moi. Je sais que ça a été un effort énorme et qu'il y a eu un énorme effort du gouvernement algérien, de vous, pour construire des écoles et pour l'éducation. Il n'y avait rien. En quittant l'Algérie, l'ambassadeur de France de l'époque, qui était un homme charmant, hein, oui. Gors était un homme charmant, mais c'était pour signifier à monsieur le président qu'il disposait de 6 milliards de centimes, c'est-à-dire même pas de quoi vivre une semaine. Ouais. Et ce qu'il n'a pas dit à monsieur le président à l'époque, c'est qu'il laissait les dettes. Donc, ils ont laissé l'Algérie dans le négatif. Donc, il n'y avait strictement rien. N'était la volonté populaire et surtout une direction politique, une direction révolutionnaire qui était en symbiose avec le peuple à l'époque. Vous voyez cette capacité de mobilisation. Ouais. Vous voyez quand on a été quand on a été agressé, 800 000 personnes. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ce que vous voyez là, c'était à travers l'ensemble du territoire national. Hein. L'ensemble. Et à ce jour, ces forêts, on les appelle les forêts de Ben Bella, Rabat Ben Bella. Surtout à partir de... Parce que les forêts essentielles, c'est à partir de Sétif. Absolument, absolument. Toute la région de Sétif. Voir les forêts qu'il y a maintenant. C'est la région de Sétif qui a été le plus brûlée. Les régions de Sétif, le Djurjura, les Aurès, tout, le Djurjura, tu as parlé de Tigjda tout à l'heure, les chênes Zen et les chênes Liège qu'il y avait là et qui maintenant reprennent, que c'était quelque chose de fabuleux, qui ont tous été la proie du napalm durant la guerre de libération.
l'enthousiasme de cette époque. Ça n'existe plus. C'est exceptionnel. Je m'excuse de le dire, ni ici ni ailleurs, d'ailleurs. Non. Cette génération. Monsieur le Président a un terme que j'aime bien. Il parle de cuvée, d'une cuvée générationnelle. Oui, 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 oui. Hein? Et il y a eu cette cuvée à une époque donnée, dans une conjoncture donnée, aussi bien au niveau de l'Algérie qu'au niveau africain. Et des hommes tels que Yves Mathieu, tels que Perega, tels que Mondouze, tels que Raptis, tels que énormément de camarades d'origine française. Et pour nous, l'honneur de la France, c'est eux. Et leur engagement a été absolument, absolument extraordinaire, ben, tel le cas d'Yves Mathieu qui abandonne femme et enfants pour venir aider ce peuple meurtri par une guerre particulièrement... Ah, moi j'ai été à Cuba, monsieur. Monsieur le Président, j'ai été invité deux fois à Cuba. À Cuba, oui. Deux fois pour présenter mes films. Au moment où il y a eu le coup d'État du 19 juin 65, mon père a dit « Bon, si l'Algérie, c'est fini, si ça bascule dans la contre-révolution, on va aller à Cuba. » Et c'était le deuxième rêve après l'Algérie indépendante, c'était Cuba. Et donc, j'ai réalisé son rêve. En fait, il n'est jamais allé à Cuba, le pauvre. Et moi, j'ai réalisé son rêve en y allant des années après. Fidel était On considère actuellement, l'OMS considère que le meilleur système de santé au monde, c'est le système éducatif également, moi je le trouve particulièrement séduisant, intéressant, il colle à la réalité, ils ont les lycées agricoles, le matin, l'enfant travaille la terre, l'après-midi il va à l'école et vice-versa, il forme réellement des cadres. Et actuellement, on parle de 10 000 ou 15 000 médecins cubains au Venezuela. Qui vont dans le monde entier. Qui vont dans le monde entier, ils les envoient dans le monde entier. Nous avons actuellement 7 hôpitaux réalisés par les Cubains. Dans le sud, notamment pour les problèmes d'ophtalmologie, nous avons de très sérieux problèmes d'ophtalmologie. C'est une coopération exemplaire, réellement exemplaire. Et c'est, moi je pense que c'est le type même de l'exemplarité de ce que nous appelons la coopération sud-sud. L'éducation est une grande réussite. Alors qu'avant, vous savez, l'éducation, je me rappelle, la richesse, c'était le produit intérieur brut. C'est dans la science. C'était l'économie. Laisser faire, laisser passer, etc. Finalement, laisser faire, c'est des milliardaires qui... Donc, finalement, c'est au niveau disons, de la philosophie, etc., qu'il fallait corriger. Hein. Il fallait corriger parce que la richesse avant, c'était le produit intérieur brut. Il a fallu donc la révolution algérienne et cubaine pour que maintenant on parle depuis Porto Alegre. On parle de développement humain. C'est l'homme qui est devenu maintenant l'essentiel. Ce n'est pas le PIB. Hein? C'est exactement. C'est très très juste. C'est très très juste. C'est une dignité qu'ont gagné les gens. Oui. Et on a humanisé, vous savez, finalement l'économie. Voilà. Avant l'économie, c'était le Richard, c'était, etc. C'était, la loi du plus fort. Oui. On est venu, on a cassé ça et on a fait de l'économie le bien de tous les hommes, pas seulement des milliardaires, pas le PIB. C'est fini de ne pas pouvoir jeter à Porto Alegre quand ça a été. Et c'est notre action à l'intérieur qui a fait qu'on a parlé de développement humain. C'est à partir de Porto Alegre. Mais on a dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce PIB-là? Qu'est-ce que vous dites? Produit intérieur brut, etc. C'est-à-dire, il y a l'idée... Monsieur le Président, pardon, une information. Hein.
Monsieur le Président est un des promoteurs, des initiateurs de ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste. Alors, donc il est toujours resté le militant actif, le militant soucieux du devenir de son peuple, bien sûr, mais du reste de l'humanité également. Et... Je vais vous dire, je jure, je n'ai jamais pris un centime dans ma poche qui ne m'appartienne pas. Depuis ma vie. Jamais. Je le jure, jamais je n'ai pris un centime que je n'ai pas mérité. Mais à moi, propos je suis de là pour témoigner qu'il vivait la richesse et l'argent. À propos de l'altermondialisme, je voudrais vous dire une chose de la part de ma génération. Je veux dire, quand mon fils, quand Barack Obama a gagné les élections, mon fils de 14 ans a passé la nuit devant le poste de télévision et à 5 heures du matin, je me suis réveillée, il était endormi et il m'a dit, il a ouvert les yeux, il m'a dit. Il a gagné, il a gagné. C'est ton père qui aurait été content. Il a gagné pourvu qu'il ne le tue pas. Pourvu qu'il ne le tue pas. Le oui, je sais. Je me souviens de Kennedy. Je me souviens bien de la mort de Kennedy. J'étais en Algérie au moment de la mort de Kennedy. Oui, tout à fait. Pourvu qu'il ne le tue pas. Pourvu qu'il ne le tue pas. Vous avez raison, très très raison. Mais je voulais vous dire quelque chose à propos du mouvement altermondialiste. Il n'y a pas de liaison établie entre votre génération. Qui a été la génération gagnante du tiers-mondisme, des guerres de décolonisation. C'est vous qui avez porté ça, c'est vous qui avez fait se tenir nous, debout les gens pendant 30 ans. Monde. On finit avec le capitalisme. Oui. Oui, on finit avec la, disons, l'exploitation. Ils ont chosifié les choses les plus nobles, etc. Ils ont chosifié, ils ont rendu le monde complètement. Les idées folles que nous avions, etc., ont été enterrées, sincèrement. Nous, on voulait d'un seul monde. On ne voulait pas de différence. Et nous ne voulions pas que des gens aient un argent fou, que les autres n'aient rien du tout. Nous voulions partager. Nous voulions qu'il n'y ait plus. C'est pour ça qu'on a, à un moment donné, non seulement maintenant, on n'a pas de sueur. On n'avait pas de mendiants. On n'avait pas de mendiants non plus. On a créé dans chaque quartier, là où les hommes, les mendiants étaient amenés, la douche, le matelas, etc. Le dortoir. Le réfectoire. Partout, dans chaque ville, dans la moindre petite commune, en Algérie, nous avons créé cela. Et les écoles. C'est un peuple qui a beaucoup de dignité, le peuple algérien. C'est un peuple très farouche. Parce qu'il a très trop souffert. C'est un peuple très farouche et très émouvant. Et il a trop souffert parce qu'il a également beaucoup souffert. Peuple, c'est un grand peuple. Moi, j'ai été élevée à le regarder comme un grand peuple. Vous savez, j'ai les... ça me nous revient avons toujours. Des salauds, mais nous avons un grand peuple. Heureusement que vous avez des salauds, sinon vous ne seriez pas un peuple humain. Ah oui. C'est bien sûr qu'il y a des... un peuple extraordinaire, c'est vrai. Très héroïque, très résistant et très fort. Oui. Et toujours fondeur. C'est vrai que le peuple... C'est... Mais s'il n'y a pas un élément moteur, s'il n'y a pas un dirigeant, s'il n'y a pas un leader qui est là et qui répond réellement il faut à ses aspirations, il faut le peuple d'abord. Je peux te contredire, il faut un peuple. Aussi. D'accord. Il aura toujours un Benbella, même Charlie, avec le temps, avec... Il est producteur, c'est-à-dire qu'il est producteur de quand il y a le peuple comme ça un révolté, est-il capable de faire de grands gestes comme la libération d'Algérie, c'est quelque chose d'inouï. En octobre 63, l'Algérie est agressée, c'est malheureux à dire, par le voisin, par Hassan II. Nous n'avions rien, l'Algérie n'avait rien. Wow. Il a suffi d'un mot non, au président Benbella. Un mot que je n'ai pas préparé. Qui est sorti j'avais des tripes. J'avais 400 000 personnes devant moi. Et je ne pouvais même pas parler. Je leur avais demandé de me ficher la paix pour 15 minutes. Je me suis étendu à dedans. Et puis, moi, je suis venu. Mais je ne pouvais pas parler. Qu'est-ce que je dis ? Hagrouna. Hagrouna, c'est...
mépriser la loi du plus fort, c'est intraduisible. C'est presque intraduisible. Agrona, c'est celui qui pèse 400 kilos qui vient qui boxer celui qui fait 20 kilos. Alors, qu'est-ce qu'il dit, celui qui est faible? C'est ça, il dit. C'est quelque chose de vilain, chez nous, c'est un mot vilain, que quelqu'un l'emploie. C'est la lâcheté. Qui l'emploie contre quelqu'un qui est plus faible, etc. Moi, j'étais le plus faible, j'ai dit Agrona. Et 400 000 personnes devant moi, mon peuple me dit, non, vous savez, l'ont entendu à Oujda, à 20 km, chez au Maroc, le long, en Algérie. Non, nous n'acceptons pas. Ouais. Alors j'ai dit, allez, bon, ça va, non. Alors défendez, moi je n'ai rien à vous donner. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de sous, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de ceci. Et 400 000 Algériens se sont dirigés vers la frontière et Hassan II a demandé tout de suite l'arrêt, à discuter, à faire la paix. Les négociations commencent. Voilà, je m'excuse. Alors moi j'étais blessé, vous savez, à ce moment-là. Et lui, bon, c'est un roi, vous savez, hein. En arabe, je ne peux pas vous traduire, il y a un mot en arabe terrible, c'est un verset, le poète. Inna al-muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun. Le roi, quand il pénètre, ils mettent le peuple à genoux. Et ils avilissent. Hein? Ils avilissent les meilleurs de ce peuple. Les meilleurs de ce peuple. Ils les avilissent. Les meilleurs. Ça a touché. Et il est venu, il était venu comme ça en disant, comme un roi, il avait oublié. Je lui ai dit, non, je ne touche pas Il tendait la main, monsieur le président, qui a refusé à Bamako. Elle porte le sang de mon peuple. Mais je vais faire la paix pour l'intérêt de mon peuple et de ton peuple. Parce que ton peuple, c'est le mien. Moi, je ne fais pas de différence entre les Marocains et les Algériens. Moi-même, je suis d'origine marocaine.